Il a planté avec le rosier, le famille, hein. Récupération. Papa est allé chercher. Ça, c'est de la récupération. Il y a un appel à ce premier. Et les piliers, vous avez trouvé? Non, papa. Non, papa.
fait ça, mais c'est de la récupération aussi, on l'a fait. C'est un petit parc miniature. Sandwich. Je vous explique. Du pain fait maison par mon père. Alors dommage, il n'est pas bio. On ne peut pas acheter la farine bio quand même. Après, les légumes, quand même, ils sont bio. La salade, ben, c'est le pissenlit du jardin. Excellent pour la santé. Du beurre bio sur tartiné avec des petites tranches d'oignon bio. Du poulet. Bon, le poulet, malheureusement, il n'est pas bio. On ne peut pas. Et puis, des herbes. Les herbes biologiques. Alors il y a de la coriandre, du romarin, de l'origan, du thym, bon, du sel sur le poulet, et du ketchup bio et de la moutarde bio. Et du fromage. Et du fromage bio. Voilà. La recette. Le mien aussi. Mais il n'y a pas de. Non, mais le tien, il y a moins de sauce en fait. Il n'y a pas de ketchup. Mais c'est très bon. Avec le bon pissenlit du jardin. Ouais. Quand je pense que les gens ils veulent les détruire. Mmh. Alors que tous ces bienfaits du pissenlit, c'est extraordinaire. C'est bon pour les reins, pour le foie, pour l'attention, plein de choses. On peut faire même du. Il y a des Canadiens qui font du vin avec.
Et on peut faire de la confiture. On appelle la crapaillotte. Donc comme ça. Alors concernant le poulet, je me suis renseignée quand même. Bon, il était levé au grain. Puis apparemment, bon, ils ont la place et tout ça pour circuler quand même. Je me suis renseignée sur le poulet. Parce qu'ici, bon, là où on habite, pour acheter du poulet bio, eh bien, on n'en a pas. On n'a pas dans la surface où on va. La grande surface. À la grande surface, mais bon, apparemment, il est pas trop mal élevé. Ils sont bien élevés, quoi. Alors qu'on ne peut pas le mettre. Voilà. Ils ont la place de marcher. Ils n'ont pas d'antibiotiques systématiques. Voilà, pas d'antibiotiques systématiques. Mais si je pouvais prendre du bio, j'en prendrais. Ils n'ont pas du bio, mais ils n'ont pas du tout. Par contre, la farine, c'est trop cher. Parce qu'on fait beaucoup de pain. Oui. C'est Serge, notre panetier. Oui, ça reste encore trop cher. On prend de la farine bio pour Pessard. Voilà. Pour la fête des pains sans levain. Surtout pour le soir de Pessard. Parce que le pain représente le corps de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Donc là, on prend de la farine biologique. Après, au cours de l'année, ça reviendrait trop cher. On a du riz bio. On prend pas mal de bio quand même. Hein. Oui. On a du riz bio. Et pâtes nobles, parce que c'est trop cher. Parce qu'on a mangé, le blé. On a mangé beaucoup, quoi. C'est le blé qui reste cher, en fait. Après tous les légumes, quand même, sont bio qu'on achète. On les prend bio, hein, normalement. Fruits et légumes, en principe, c'est bio que ce qu'on achète. Hein. Ouais. Donc, si vous pouvez prendre la farine bio, c'est encore mieux, hein, c'est sûr. Ah, il y a une herbe. L'idéal. Même la viande. Après, la viande, voir ma vidéo sur la cache-route. Hein. Ouais. Nous, on n'achète plus que du poulet parce que... J'explique tout ça dans ma vidéo. Hein. Pourquoi, hein. C'est le bœuf, hein. Non, ni le bœuf. Dans les grandes surfaces, c'est pas la peine. Hein. C'est pas cachère. Déjà, t'as fini. Ben, le bœuf est cachère, disons. Mais la façon dont il est tué... En plus, il tue les vaches enceintes. La pomme bio. Alors nous sommes dans l'alimentation. C'est le pays des pommes ici. Alors les pommes, je vous recommande de les prendre biologiques quand même, parce que là c'est très pesticisé. Oui. Puis vous voyez, il n'y a pas beaucoup de protection la pomme. Hein. C'est comme la salade, ça, c'est pareil. Il vaut mieux la prendre bio quand même. Merci Yahweh pour ce fruit. Amen. Après nous allons cueillir des fleurs. Il y en a plein ici. Les lupins. Très bonnes. Elles sont très fleuries. Il y a plein de petites mouches. Mais là, ça va, il n'y en a pas trop, mais. Et des libellules aussi. C'est des mouches qui mordent. Il faut faire très attention. C'est mauvais. Elles arrachent le morceau, hein. Elles ne piquent pas. Elles t'arrachent le morceau. Oui. Après, il y a le même. Touche par terre, quoi. Pas vous l'avez fait. Ouais, là, je vous vois. La pointe, ouais. Juste la pointe. Prendre un peu de ça. Hein? C'est vrai, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que c'est? C'est non! Voici des champignons. Et je sais pas du tout ce que c'est comme champignons en fait. Ils ont drôle de couleur, hein? Ouais, ça brille, hein? Ouais, bah alors les champignons, là, j'en ramasserai pas quand même, hein? En sachant pas ce que c'est. Même déjà en sachant, hein, c'est dangereux. Voilà notre gros champignon qui semble avoir été mangé par des insectes, on dirait. Mais bon, voilà, on sait pas ce que c'est. Attention de ne pas l'écraser en passant. Hein.
Je vais me faire appliquer et je le sens. ניצחון בשם שלו עוד תקרא כל ברך ותודה כל לשון כי ישוע המשיח הוא אדון הוא אדון לביבה il est vivant il est sorti du tombeau il est vivant il est vivant il est vivant il est roi des rois éternellement merci à toi mon Dieu qui a donné ton fils Every eye shall see, every ear shall hear the sound of angels when he come. Every knee shall bow, every tongue shall confess that he is Lord when he come. And he'll plant his beautiful feet upon this mountain, and the dead of all the ages who believed on him will rise. And I'll be one in the first resurrection when he come,
when he come. Everyone there will know that it's him, really him, the one and only. When he come, glorified and transformed, I'll arise at his call, I'll be ready. When he come, and he'll plant his beautiful feet upon this mountain, and the dead of all the ages who believed on him will rise. And I'll be one in a first resurrection. When he come, when he come. La Bible dit que Jésus-Christ, Yeshua, va revenir un jour. Serez-vous prêts ce jour-là? Un jour. Un jour. Vous vous trouverez face à face avec Dieu. Un jour, vous vous trouverez face à face avec l'éternité. Un jour, vous passerez dans un monde que vous ne connaissez pas. Un monde éternel. Un jour, vous vous apercevrez que tout ce que vous avez pensé au sujet de Dieu n'était pas vrai. Je parle bien sûr à ceux qui ne croient pas en lui, ou à ceux qui refusent d'observer ses commandements, à ceux qui refusent de croire en lui et de le suivre. Un jour, vous réaliserez votre erreur et vous pleurerez amèrement sur tout ce que vous avez fait. Autant que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Dieu, j'en ai pas besoin. Je suis heureux comme ça. Je veux profiter de la vie. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Large est la porte, a dit Jésus, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Sur quel chemin êtes-vous? Sur le chemin large qui mène à la perdition, là où la majorité des gens va? Ou sur le chemin étroit, avec Jésus-Christ, Yeshua, le Fils de Dieu? Si vous n'êtes pas sur ce chemin étroit, vous êtes perdu pour l'éternité. Des millions de vies dans le monde ont été transformées par Yeshua, le Fils de Dieu, par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté et qui s'est assis à la droite de Dieu le Père. Dieu est bon. Dieu est grand. Dieu est formidable. Dieu est extraordinaire. Dieu peut faire des miracles pour vous. Dieu peut changer votre vie. Il peut vous donner son bonheur, sa paix, sa joie, sa vie éternelle. Pourquoi ne croyez-vous pas en lui? La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous vous en supplions, dit l'apôtre Paul, soyez réconciliés avec Dieu. Tournez-vous vers lui. Tournez-vous vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Dites-lui, Seigneur Jésus, Yeshua, je crois en toi. Je veux que tu viennes en moi et que tu changes ma vie. La Bible dit, crois au Seigneur Yeshua, Jésus, et tu seras sauvé. À tous ceux qui ont reçu Jésus, dit la Bible, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Tout est possible à celui qui croit, dit l'apôtre Paul. Vous pouvez réussir ce que vous pensez, vous avez pensé ne jamais réussir. Vous pouvez faire ce que vous avez pensé ne pas pouvoir faire, ne jamais pouvoir faire.
La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu fera de vous une nouvelle femme, un nouvel homme, un nouveau jeune homme, une nouvelle jeune fille. La vie aura un sens. Vous saurez pourquoi vous vivez. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Avez-vous la paix du cœur? Êtes-vous sûr d'aller au ciel? Dieu peut vous donner cette assurance, cette certitude. Il a dit au brigand qui était sur la croix à côté de lui et qui s'était repenti. Le brigand s'est tourné vers Jésus, il lui a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a dit cette parole extraordinaire, merveilleuse. Il lui a dit, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est vivant, il est sorti du tombeau, il est vivant. Il est roi des rois éternellement. Merci à toi mon Dieu qui a donné ton fils et nous a donné la pleine victoire en son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Yeshua le Seigneur béni soit son nom. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Je n'ai payé ni or ni argent, j'ai tout et gratuitement, car pour moi Jésus a versé son sang, et je suis sauvé maintenant.